Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est le journal créatif de la semaine. Alors nous sommes arrivés au numéro 63, voilà, c'est le 63e journal créatif. Je sais que vous aimez beaucoup cette vidéo et c'est toujours avec grand plaisir que je la fais également. Alors d'abord, bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles qui se sont abonnés à la chaîne cette semaine. On continue à monter, c'est super, j'aime beaucoup ça. Ça prouve que ma chaîne plaît. Alors justement, pour les nouveaux et nouvelles, j'explique un petit peu le but de cette vidéo, donc journal créatif. Je vous montre tout ce que j'ai pu faire pendant la semaine, principalement en broderie, mais aussi tricot, crochet, coloriage, et puis d'autres loisirs que j'aurais pu faire entre deux. Voilà, semaine bien chargée, un peu comme d'habitude. Alors, vous savez que je choisis mes broderies que je vais faire dans la semaine avec la roue sur ma tablette, sauf qu'il y a quand même des obligatoires. Alors, pour l'instant, les obligatoires, j'en ai 3, mais il va y en avoir un petit peu plus bientôt. Alors les obligatoires, il y avait le Star Dragon de Owl Forest que je fais en duo avec Laety de la chaîne Les Loisirs de Laety, le Lily Point sur les chats que je fais en duo avec Céline et mon Sampler 124 que je fais en duo avec Sonia, voilà, de la chaîne Diamant Rose. Donc, ces 3-là sont déjà mis d'office toutes les semaines. Et la roue m'a choisi ensuite mon sale Alice au Pays des Merveilles que j'organise sur mon groupe, mon aquarium de Lucas, le Bouddha de Poussière d'Étoiles, mon Autumn Quaker, les Floralies de Jardin Privé, mon H.A.E.D. Sur le paysage, ma maison météo, donc c'est un salle que j'organise également sur mon groupe, et le Long Dog Sampler Owl Forest, voilà, excusez-moi. Et vous savez que depuis peu de temps, j'ai fait le mercredi du H.A.E.D. Voilà, donc tous les mercredis, je choisis un H.A.E.D. et je ne travaille que sur celui-là toute la journée. Et je suis contente parce que les copines commencent à me suivre et à faire comme moi. Donc, il y a Sonia, il y a Amélie, il y a... Qui c'est qu'il fait encore? Mélanie. Laety, je ne sais pas si elle le fait, je me rappelle. Je ne sais plus. Mais enfin, bon, on commence à être plusieurs à faire le H.A.E.D. du mercredi. Donc, si jamais ça... J'ai la mèche folle ce matin, ce soir. Si jamais ça vous intéresse de faire le H.A.E.D. du mercredi, ben, allez-y, hein. Il n'y a rien de compliqué. Vous sortez votre H.A.E.D. ou un de vos H.A.E.D. et vous brodez dessus toute la journée. Pas d'autres broderies que celles-là, parce qu'elles ont besoin d'être avancées. Ce sont des ouvrages qui sont quand même très grands, très chronophages. C'est des couvertures totales, donc, et puis souvent c'est des grands modèles, donc ça prend beaucoup de temps pour les broder. Si on n'avait que ça, un seul H.A.E.D. et rien à côté, ce serait bien, mais malheureusement on est tombé dans la marmite, comme dirait Obélix. Et nous, on a plusieurs broderies en route. Voilà. Donc, il y a le mercredi, le H.A.E.D. du mercredi, et il y a aussi la broderie du lundi. Alors, la broderie du lundi, c'est le même système que pour le mercredi, mais je prends une broderie. Alors, au hasard, oui et non. Parce que le lundi, c'est pareil, je ne brode qu'une seule broderie. Et là, j'essaye de prendre les broderies qui sont plus près de la fin que du début. Voilà, pour pouvoir terminer des broderies. Donc, comme ça, au moins, ça va permettre à des broderies de finir et de partir. Je trouve que en faisant comme ça, c'est pas mal. Parce que j'avance bien sur des broderies qui étaient là depuis un petit moment. Donc voilà. Donc le H.A.E.D. du mercredi, j'avais choisi ma japonaise. Et ma broderie du lundi, j'ai choisi comme la semaine dernière, puisque là elle est presque finie, j'avais choisi la grenouille de Poussière d'Étoiles. Voilà. Ensuite, voilà tout ce que j'avais choisi. J'ai également mon challenge. Alors, mon challenge, c'est de faire au minimum 3000 croix par semaine. Alors, je sais que certaines d'entre vous le font. Mais bon, c'est pas obligatoire. Hein, c'est pareil, vous faites. C'est juste pour vous motiver peut-être un petit peu, pour, ou alors pour savoir ce que vous faites, combien de croix vous faites la semaine. Donc, moi, je me base sur 3000 croix par semaine, minimum. Et à la fin de vous présenter mes broderies, je vous dirai combien de croix j'ai fait en tout sur ma semaine. Voilà. Qu'est-ce que je... je vais d'abord montrer un achat que j'ai fait. Je vous avais dit que j'avais... Alors... C'est vrai que j'avais acheté des agendas. D'ailleurs, ils sont là, je m'en suis pas servi. Mais bon, ça, ils me serviront pour faire des brouillons. Moi, mon agenda, pour l'instant, pour les vidéos, pour les broderies, c'est celui-là. Voilà. Donc, c'est un qui allait sur presque 2 ans. Il a commencé en janvier. Voilà, 1er janvier. Et il se termine en juillet, enfin la première semaine de juillet 2025. Et bon, j'avais l'intention de le changer, mais ici pour la rentrée de janvier, je voudrais reprendre un agenda, mais qui fait 1 an, c'est tout. Donc je suis allée ce matin chez Action et j'ai un autre truc de chez Action que j'ai pris aussi. Attendez, bougez pas, je suis là. Hop. J'arrive. Voilà. J'avais oublié de le prendre. Mais lui, ça fait 1 semaine que je l'ai déjà acheté. Je ne l'ai même pas encore déballé. Je voulais vous le montrer avant. Donc, je reviens sur mon agenda. Donc, j'ai besoin d'un agenda pour ma broderie. Broderie et tricot, parce que je marque aussi mon suivi de tricot. Et comme ça, quand je fais les vidéos, je sais où j'en suis. Mais je voulais que mon agenda fait 1 année. Pas plus. Au moins, c'est beaucoup mieux. Et alors, je vais regarder. Alors, celui-là, en plus, il est pas mal, je trouve. Alors, bien sûr, je me sers toujours de celui-ci. Mes suivis point de croix que Mélanie a... écrit, c'est elle qui l'a fait. Il est en vente sur Amazon. Je vous remettrai le lien. Hein. Alors, pour l'instant, en France, on n'a plus que le cahier pour 1 an. Celui pour 2 ans, il n'est pas disponible en ce moment sur Amazon. Mais il y a toujours celui de 1 an. Voilà, je vous l'avais déjà présenté. Donc ça, je continue à m'en servir, bien sûr, parce que là, c'est pour le suivi de mes broderies. Et vous voyez, j'y mets vraiment mes projets, mais en détail, là. Voilà. Vous voyez, là, je mets mes projets en détail. Bon, j'ai pas encore tout utilisé, hein, parce que ben, là, il y a les projets en cours pour compter les points, justement. Mais ça, je vais attendre de commencer, par exemple, le 1er novembre. Voilà, mais je vous l'avais présenté, je vous remettrai le lien de la vidéo pour que vous alliez voir si vous n'avez pas vu. Donc, je disais, il me fallait un nouveau carnet. Et comme il commence à être en vente maintenant, et puis après, il n'y en aura plus. Enfin, si, il y en aura encore, mais il n'y aura plus ce qu'on aime bien. Voilà. Donc, pour l'année prochaine, à partir du 1er janvier, j'ai pris celui-ci. Donc, c'est un grand modèle. Hein. Il est même un peu plus grand que celui-là. Je crois. Ouais, il est un petit peu plus grand, vous voyez. Bon, il est moins épais. Excusez-moi. Je vais peut-être tousser un petit peu parce que chouchou cet après-midi. Alors j'étais en train de broder, en train de finir une broderie et je vois chouchou d'un seul coup qui sort, qui bouge, qui sort des trucs de la cabane. Je dis qu'est-ce que tu vas faire? Il me dit bah, je vais passer le Karcher dans la cour parce que la cour, nous on a une cour qui mousse, vous savez la mousse verte. Qui mousse énormément et surtout quand l'hiver arrive le mauvais temps et tout je fais ça te prend comme ça mais bon j'ai pas voulu qu'il fait tout seul parce qu'il a très mal à son dos donc j'avais laissé ma broderie puis j'étais le faire avec lui mais bon il faisait pas très chaud dehors donc si demain matin j'ai pas mal à la gorge j'ai de la chance bon allez. Donc, mon planeur, alors il est avec un élastique. On a des petits stickers, bah, comme dans celui-là. On a des petits stickers, voilà. Il y en a avec les jours, il y a des petites étiquettes. Il y a des petits mots, bon, c'est des mots en anglais, hein, ça c'est ce qui est dommage, mais bon. Genre important, tomorrow, note, voilà. On a des petites images. Mais bon, c'est toujours bien d'avoir ça. Donc, ça. Là, on a la page bah, où vous mettez votre nom, votre adresse, votre téléphone, tout ça. Bon, ça, c'est pas le genre de truc que je vais remplir. On a des traductions ici. Sur les adresses, birthday, allergie, calendar, France, voilà. C'est toujours intéressant d'avoir. Donc, surtout, c'est dans plusieurs langues. Néerlandais, Belgique. Bon, la Belgique, c'est français, hein, mais à moins que ce soit la Belgique flamande. France, l'Allemagne, la Pologne, la République tchèque, l'Italie, la Slovaquie, l'Espagne et le Portugal. Alors, on a une première page notes. Là, c'est... Ah, c'est les fêtes. Voilà. On a un grand calendrier à l'année, comme ceci. Bon, jusque-là, c'est toujours pareil. Alors, ce que j'aime bien, c'est ça. Il y a des pages planeurs par mois. Donc, on a les 12 mois, hein, normalement, oui. On a les 12 mois. Et il y a 30, 28, suivant le nombre de jours qu'il y a sur le mois. Ça, je trouve ça intéressant ben, pour planifier peut-être un tricot, pour planifier une broderie, planifier un sal, un échange, voilà. Donc ça, c'est vraiment pas mal, parce que bah, du coup, je peux inscrire ce que j'ai envie de planifier. Voilà, donc là, on en a pour les 12 mois. On a encore 2 pages de notes. Voilà. Et après, on commence le planeur. Alors là, il n'y a pas de petit d'intercalaire, si je veux dire, pour dire janvier, février, mars. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je mettrai un post-it et puis c'est bon. Voilà. Donc voilà. Alors, je vais le plier en deux parce que ce sera plus facile pour vous le montrer. Voilà, et ce que j'aime bien, c'est que c'est des grandes colonnes. Donc, je vais pouvoir en marquer beaucoup. Hein. Bon, il y a les heures, hein, là, 6h, 12h, 18h, mais ça, je m'en fiche. Et en dessous, j'ai encore une petite partie pour mettre des notes. Voilà. Je ne sais pas, par exemple, j'ai fait telle broderie. Mais par exemple, j'ai dû démonter. Voilà, j'ai eu Pénélope. Donc voilà, j'aime bien. Alors les feuilles sont assez légères. Je pense qu'elles sont en papier recyclé. Il faudrait que je regarde derrière. Mais donc voilà. Alors ça, j'aime bien parce que vraiment, il y a de la place. Bon, il n'y a que le samedi et le dimanche où il y a moins de place. Mais là, bon, je m'en fiche un petit peu. Puisque le dimanche, ben, je brode, pour ainsi dire pas, et le samedi, je brode moins. Donc, voilà. Et on retrouve en bas, ici, le petit calendrier du mois. Et ça, ça vous met en gris la semaine. Voilà. Donc là, ben, c'est pas joli. Là, on a tous les mois, pour tous les mois. Voilà, je vais y arriver. Et ensuite, hop, on va arriver au bout. Bon, on a des pages pour les rendez-vous. Bon, on peut s'en servir pour autre chose, hein, pour nous. Voilà, on a des pages de rendez-vous. On peut peut-être s'en servir également. Ben, vous voyez, il est marqué temps, date et temps. Donc, on peut-être s'en servir pour marquer, ben, telle semaine, j'ai fait autant de points, un peu comme dans le suivi point de croix de Mélanie. Le faire soit par broderie ou alors... Mais là, il y a il y a 2 pages, voilà. Donc, on va peut-être le faire plutôt par mois que... Je verrai comment je m'en sers. Ensuite, j'ai un autre calendrier, donc qui va de janvier à décembre, sur lequel vous pouvez marquer tous les anniversaires. Voilà. Donc là, on a une colonne par mois, et ça va de janvier à décembre. Carnet d'adresses, toujours utile pour mettre les adresses des copines. Voilà. Donc là, on a 4 pages. Et on a encore 1, 2, 3, 4. Alors, 1, 2. Bon, je vais y arriver. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 pages encore pour faire des notes. Voilà. Donc ça, c'est bien. Et ce que j'ai bien aimé sur celui-ci... alors, ah bah si, j'ai des intercalaires quand même. Je ne les avais pas vus. Oui, mais bon. Ouais. J'ai 3 intercalaires, comme ceci. Alors, je vous les montre parce qu'il n'y a pas le même dessin. Voilà. Il y a celle-là, mais elle se retire pas. Alors, si elle peut peut-être se retirer, mais bon, voilà, et voilà. Mais on peut s'en servir comme pochette, vous voyez. Il y a c'est des pochettes. Et pour terminer, on a une pochette zippée. Voilà, on a une pochette zippée. Donc ça, c'est bien aussi pour y mettre des petites choses. Voilà, bon. Pas cher, 2,50 € je crois, ou 2,90 €. Voilà. Alors, ce que je voulais voir, si c'était du papier recyclé. Il y a le symbole. Ouais, il y a le symbole du papier recyclé. Pourquoi il met 4 cartes? Je sais pas. Ah, les cartes, c'est peut-être dans les... Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça, les cartes. Il y en a 4. Donc, voilà. Donc, je m'en servirai à partir du 1er janvier. Et puis, voilà. Au moins, je vais faire un par an. Comme je fais pour celui-ci. Hein. Celui-ci, vous voyez, chaque semaine, il est bien rempli. Je note les broderies que je fais chaque jour et le nombre de points, voilà, c'est ce qui me sert pour surtout pour mes vidéos et puis mes suivis. Le deuxième achat que j'ai fait, c'est ça. Alors je ne l'ai pas encore installé, parce que je voulais vous le montrer. Ça, c'est une petite étagère, voilà, en bambou, avec hop, des petits tiroirs là, et il y en a deux plus petits là. Alors normalement, ça c'est vendu au rayon maquillage, il y a de la poussière, c'est vendu au rayon maquillage, c'est un petit meuble pour le maquillage ou les bijoux, ce que veut. Mais moi je vais m'en servir bien sûr pour la broderie. Je vais très certainement le mettre sur mon bureau. Et je vais y mettre mes ciseaux, mes enfiles aiguilles, voilà, mes petits outils. Comme ça, voilà. En plus, c'est joli. Hop. Gaston Lagaffe. Vous voyez, c'est joli, c'est en bambou. Donc, c'est pas mal. Voilà. Je vais vous montrer le dernier achat. Je vous en avais parlé dans ma vidéo hier, avant-hier. Je ne sais plus quand est-ce que je vous l'ai mis, cette vidéo. Bon, c'est pas très grave, de toute façon. Je ne sais plus. Il y a 2 jours. Voilà, il y a 2 jours. Donc, ça vient de chez Mère en Fille. Voilà. J'avais passé la commande en début de semaine, je crois. Voilà, je l'ai reçue aujourd'hui. C'est ma toile. Alors, j'espère qu'elle est bien. Ah, elle me paraît pas mal. Parce que c'est vrai que quand on regarde sur l'écran, sur l'ordinateur, la tablette ou quoi, le rendu des couleurs ne donne pas toujours pareil que ce qu'on reçoit. Alors, c'est une toile de lin. Alors, vous voyez, je la voyais plus claire. Mais bon, c'est tout aussi bien. Elle est bien. Alors, c'est une toile de lin. Alors, son nom. Ah, je ne l'ai pas noté. Si, je l'ai noté. Si. Je l'ai noté. Merci, Mélanie, pour ton cahier. Alors, je n'ai pas encore tout rempli. Mais voilà. C'est... une toile donc de lin, voilà sa couleur. Alors c'était une nouveauté sur la boutique de Mère en Fille. Donc c'est du lin 16 fils. Voilà. C'est du lin 16 fils. Alors, ah bah c'est imprimé que d'un côté. Voilà, je vous le plie pour que vous voyez. Vous voyez, c'est imprimé que d'un côté. Derrière, il n'y a pas de... Voilà. Hein, vous avez compris? Donc, c'était... Je disais donc, c'est du lin Newcastle 16 fils vintage d'une Zegart. Et donc, j'ai pris un coupon de 50 sur 70 cm. Et le coupon m'a coûté, hors frais de port, hein, 14,50 €. Voilà. Et donc, c'est du lin. Voilà. Ouais, je commence à faire un peu plus de lin en ce moment. Je sais pas pourquoi, mais bon, j'aime bien aussi. Donc... pourquoi pas. Donc celui-là, c'est pour broder ma broderie que l'on commence là le 1er novembre. 1er novembre, on commence beaucoup de broderies. Pour faire le Black Rose, la toute nouvelle broderie de Owl Forest. Voilà. Donc, de toute façon, je vous referai une vidéo dédiée à cette broderie pour le début. Ah, j'ai une tache sur mon téléphone. J'avais le nez dessus depuis tout à l'heure, ça m'embête. Je vous ferai une vidéo dédiée pour poser mes premières croix. Comme ça, on verra ensemble si le fil que j'ai choisi, le fil Atalie Onyx, donne bien dessus. Voilà. Hop, on va le remettre dans sa pochette, dans sa enveloppe pour l'instant, pour pas le salir. Alors, justement, en parlant de cette broderie, j'ai une abonnée. Alors, je vais regarder son commentaire, qui m'avait mis un commentaire sous la vidéo, là, quand je vous ai présenté les fils. Ah, non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Quand je vous ai présenté les fils Atalie Onyx. Et elle m'a mis un commentaire. Alors, attendez, je cherche. Il est où? Vous allez voir que je ne vais pas le trouver. Je l'ai vu tout à l'heure et je ne le retrouve pas. Bah mince. Je vais aller sur la vidéo directement, ce sera plus simple, je pense. Là. Excusez-moi. Hein. En plus, j'ai dû mettre le câble, il n'y avait plus de batterie. Voilà. Alors, hop. Les commentaires. Donc, voilà. Alors, c'est Minky de la halte créative. Voilà. Je pense que... Alors, tu me diras, mais je crois que tu as dû faire un petit changement sur ton pseudo. Mais bon, je ne suis pas sûre. Hein, je me trompe peut-être. Donc, elle me disait, « Coucou Didit. Oh là là, quelle jolie découverte. Je suis hype. Hype. Donc, contente sûrement. » par ta broderie, j'hésite à me lancer. C'est carrément, alors voilà, c'est ça que je voulais vous dire. C'est carrément la cathédrale de Tristram du jeu Diablo. Alors moi, les jeux vidéo, je n'y connais plus rien. Hein, il y a un quelques moments, je jouais beaucoup aux jeux vidéo, mais là maintenant, je suis plus du tout. Je suis à la ramasse complète. Donc, j'ai été voir un peu sur Internet. Oui, ça ressemble. Alors, je ne saurais pas dire si c'est vraiment la même ou pas. Mais bon, si elle le dit, voilà. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu Diablo. Et donc, elle me disait, avec une toile orange, orangée ou rouge, ça sortirait vraiment bien. Et du coup, j'avais été fouiller mes toiles. Mais bon, je ne pourrais pas la faire sur celle-là, malheureusement, parce qu'elle va être trop petite. Et j'avais celle-là de toile. C'est vrai que ça ressortirait bien, mais là, elle est trop petite. Elle fait 53 sur 68. Donc, et il me faut, j'ai calculé tout à l'heure, oh, je ne sais plus. Parce que là, c'est de l'étamine 12.6 fils. Donc, c'est un peu plus grand que l'étamine. L'étamine est plus fine. Mais du coup, j'ai pas assez. Et du coup, c'est dommage parce que, ouais, ça aurait été chouette sur cette toile-là. Et je ne vais pas recommander une. Voilà, maintenant j'ai pris la grise, je vais le faire sur la grise. Mais c'est vrai que ça aurait été tip-top là-dessus. Alors celle-là, je n'arrive pas à mettre une broderie dessus. C'est bien dommage parce qu'elle est super belle, cette toile. Mais bon, un jour, peut-être, je trouverai quelque chose. Ah, ou j'ai peut-être une idée. Mais bon, on verra. Je vous en reparlerai. Ça vient de me filer dans la tête. Donc voilà. Bon, ben, niveau des achats, c'est tout. Je suis sage. Il faut. Allez, on va parler. Maintenant, j'ai soif. On va parler de choses sérieuses, c'est-à-dire les broderies. Alors, hop. Je vais les prendre au fur et à mesure. C'est le fur et à mesure, mais à l'envers. C'est d'hier, aujourd'hui, jusqu'à lundi. Mais bon, le principal, c'est que vous voyez tout. Alors, j'ai tellement papoté qu'on a déjà dépassé la demi-heure. Alors, sur celle-là, hier, j'ai eu un coup de chaud. Hop, là, mes fils sont sur un trifil. La couleur principale de cette broderie, c'est ça. Et ce coup, je regarde, je dis, mon Dieu, je ne vais pas voir assez. Je regarde la pochette, je dis, mais où est-ce que j'ai mis les échevettes? Je ne les trouve pas, ni rien. Et puis heureusement, je l'ai retrouvée. Elle était dans mon tiroir. Là, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Donc, ouf. Enfin, bon, avec le stock que j'ai, j'aurais bien eu. Hein, vous voyez, c'était celle-là. Mais bon. Dans la semaine, cette semaine ou la semaine prochaine, vous allez dire que je suis complètement folle. Mais bon, je ne vous dis rien, vous le verrez. Mais ça, vous avez l'habitude avec moi maintenant. Vous le savez que je suis zinzin. Voilà, j'ai repris la broderie donc de ma demeure de charme. Bon, il a fallu que, vous vous rappelez, hein, il a fallu que je démonte beaucoup. Non. Non. J'ai pas refait une erreur. Attendez. Ah non, c'est bon. Je sais pas, j'ai mon cœur, il a fait. J'avais démonté pas 900 ou ouais 900 ou 1000. J'étais pas loin des 1000 points que j'ai dû démonter. Yeah, super. Et là, du coup, bah, j'ai donc après le démontage, là maintenant ça y est, j'ai repris. Alors, j'ai fait le blanc qui est là entre deux. On ne le voit pas beaucoup, hein, mais quand la broderie ça finit, on le verra bien. Et j'ai attaqué la fenêtre qui est là. Voilà. Alors, je me donne encore une semaine. Et là, c'est une broderie que je fais en duo avec Amélie de la chaîne Designs et Diamant. La pauvre, ça fait plusieurs semaines qu'elle m'attend pour que je la rattrape. Là, je suis arrivée à la moitié. Alors, je suis en tout à 1056 croix et il faut que j'arrive à 2000. Ça devrait aller. J'ai donc 900, bon, on va dire 950, un peu moins 900, bon, 940 points à faire. pour la rattraper. Je pense que je vais en faire un petit bout chaque jour. Et comme ça, je vais rattraper mon retard. Alors bon, c'est pas vraiment du retard, c'est parce que j'ai dû démonter. Donc, cette fenêtre-là en entier, la fenêtre qui était là en entier. Voilà, donc, mes mains, là, c'est bien reparti. Donc, ça va. Alors, le dessin, c'est ça. Voilà. Donc, c'est une broderie de Poussière d'Étoiles. Vous pouvez la retrouver dans la boutique. Hein. C'est le nom, c'est Demeure de Charme. Voilà. Hop. Donc, dès que j'ai rattrapé Amélie, je ferai comme d'habitude. Je vous montrerai en même temps. Voilà, je vais mettre ça là. Je vous montrerai en même temps son avancée à elle, parce qu'on n'a pas commencé tout à fait au même endroit. Donc, je vais cocher ce que je vous ai mis, ce que je vous ai montré plutôt. Voilà, ça c'est fait. Ici, bon, je n'ai toujours pas rattrapé mon étape, hein, mais bon, mais ça avance. Le principal. Mon Alice au pays des merveilles. Voilà. Ça y est, j'ai fait les vagues. J'ai fait le petit cœur. Alors, il me reste à faire la tête d'Alice, la tête de la souris. Et ici, il y a une frise avec des fleurs. Et quoi. Oui, voilà. Bon, je peux le montrer. De toute façon, c'est un modèle gratuit sur Owl Forest. Hein. Donc, les vagues, c'est fait. Là, j'ai oublié de les stabiloter, mais ça rien, je le ferai plus tard. Le petit cœur est fait. Donc, il me reste la souris, Alice et cette frise-là à faire et à terminer ma frise ici. Voilà. Et j'aurai enfin terminé l'étape de septembre. J'ai pris un petit peu de retard. Petit peu. On arrive bientôt en novembre. Mais bon. Mais sinon, oh, c'est quoi ça? Ah oui, non, j'ai eu peur. Mais il y a une tache là. Et non, c'est parce que j'ai pas passé le sèche-cheveux pour retirer la croix du milieu. Mais donc, voilà. Non, j'aime bien, ça va. J'ai pas aimé, c'est ça, parce que ça a été galère. Mais sinon, ça va. Là, j'ai repris le rythme. Ça, je l'ai fait assez vite aujourd'hui. Bah, c'était toujours la même chose. Hein. Donc, je l'ai fait assez vite. Ça a été le petit cœur. Bon, le petit cœur, c'est... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de difficulté sur un petit cœur. Hein. Et là, la frise que je vais terminer, vous voyez, c'est toujours la même chose. Donc, ça va aller vite aussi pour la faire. Voilà. Alors, j'aurais bien qu'elle soit quand même finie avant la fin du mois. Pour ne pas me mettre 2 mois en retard. Mais on verra. Alors, celle-ci. Hop. J'ai fait... Alors, ah, je vous ai pas dit la demeure de charme. Hop. Demeure de charme. J'avais fait 354 croix. Donc, en tout, 1056. Et j'étais à 9,61%. Bon. La broderie d'Alice. Alors, j'ai fait plus ou moins... 250 croix. Quand je dis plus ou moins, c'est parce que je brode en format papier, pas avec mes applications. Donc, je compte à vue de nez. Comme ça. À vue de nez, je compte. Alors, ici. Alors, j'ai bien avancé quand même, mais c'est celle-là que je faisais tout à l'heure. Quand Chouchou a décidé... de nettoyer la cour, mais elle en avait besoin à la cour, mon Dieu, j'aurais dû faire une photo avant, après. Il y a tellement de mousse qu'il y a des endroits où vous avez, oups, ça glissait. C'est mon automne Quaker. Alors, on est plusieurs à le faire, mais il faut que je me fasse les petites fiches. Il y a Sonia de la chaîne donc Diamant Rose. Si je ne me trompe pas, il y a Geneviève de la chaîne Once Upon the Thread. Et il y a qui le fait aussi? Pascal, peut-être? J'ai un trou, ou Amélie, je sais plus. Mais alors, je vais me le noter. Je vous jure, je me le note. Faire liste des duos. Ouais, enfin, duo, trio. Faire liste. Voilà, comme ça. Parce qu'à chaque fois, j'oublie les copines. J'oublie de les nommer et ça m'embête. Parce que moi, elles n'oublient pas de me nommer dans leurs vidéos. Donc, ça m'embête si j'oublie. Voilà. Hop. Comme ça, je vais me faire une petite fiche. Donc, je disais donc mon automne Quaker. Donc, l'automne Quaker, c'est ça. Hop. Voilà. Donc, c'est un modèle de Karen Kluba. Voilà, c'est un modèle que j'avais acheté sur de Mère en Fille. Mais je trouve magnifique ce modèle. On le brode avec les fils Valdani. Donc, je vous remontre la petite boîte. Voilà, c'est ces fils-là. Des petites bobines comme ça. Alors, la semaine dernière, j'ai fait une erreur. Je vous avais mis, je ne sais plus si vous vous rappelez, à l'écran, le prix de revient des fils Valdani par rapport aux fils DMC. Et je vous disais, bah, c'est presque le même prix qu'un fil DMC. Mais que nini, que nini. Les fils DMC, c'est du 8 mètres. Enfin, ouais, 8 mètres. Non, je compte pas en mètres, c'est pas ça que je voulais dire. C'est un fil 6 brins. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est un fil 6 brins. Tandis qu'ici, un fil, c'est 3 brins. Donc, je vous avais calculé que ça revenait, si on comparait avec le DMC, que ça revenait à 1,83 €. Mais non. Mais non, mais non. Alors, moi, le calcul de tête à cette heure-ci, ça fonctionne pas. Hop, hop, hop. Ça revient à 3,66 € si on veut comparer avec une échevette DMC. Voilà. Puisque là, il n'y a que 3 fils, 3 brins. Et le DMC, il y a 6 brins. Voilà. Je voulais corriger parce que bah, je ne voulais pas vous mettre en erreur si jamais vous vouliez acheter ces fils-là. Donc, c'est vrai qu'ils sont plus chers. Puisque là, du coup, ça revient à... Si on compare avec une échevette de 8 mètres de chez DMC, bah, ça revient à 3,66 €. Alors qu'un DMC, on peut l'avoir entre 1 €, suivant les boutiques. Alors ça, c'est pareil, hein, les filles DMC, n'hésitez pas d'aller voir plusieurs boutiques parce qu'il n'y a jamais les mêmes prix sur aucune boutique. Donc, n'hésitez pas à fouiller toutes les boutiques, Maison de Canevas, Univers Broderie, Mère en Fille, je ne sais pas où est-ce qu'on vend encore des DMC, mais enfin, vérifiez les prix sur plusieurs boutiques avant de les commander. Du coup, tout ça pour vous dire, ouais, les DMC, ça... Alors, quand il y a des promos, ça, on peut les avoir des fois à 90 centimes, mais ça peut aller jusqu'à, j'en ai vu, jusqu'à 1,90 €, même 2 € des fils DMC. Là, je trouve que c'est vachement, c'est vraiment exagéré. La personne vend pour vraiment faire de l'argent, là, parce que... mais en moyenne, un fil DMC, la moyenne, hein, c'est 1,20 €, 1,50 €. Voilà. Mais là, du coup, ça revient à 3,66 €. Donc, un peu plus du double. Voilà, donc je voulais corriger. Je m'en suis aperçue bah, dans la semaine. je calcule. Et chez mince, je me suis trompée. Donc, il fallait que je vous le dise. Donc, voilà ce que j'ai fait. Au moins, les pendules sont remises à l'heure. Voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors, j'ai fait cette partie ici. Voilà, les petites arabesques là. Ça n'a pas l'air, mais il y a eu du boulot, hein, même dans les petites feuilles là. Voilà, il y a les petites feuilles avec 3 points en haut, 3 points en bas de fait. Donc, toute la feuille entière, j'ai fait. Voilà. Alors là, ça, vous voyez, c'est pas fini, c'est parce que c'est là, c'est une page. Ça, c'est une page. Donc, mais voilà. Et du coup, après, bah, quand j'avais fini mon fil, j'étais arrivée là, ouais. J'allais faire le petit bitonio qui est au milieu, là, j'allais faire là. Et du coup, j'ai stoppé. J'ai dit, bon, on va aller aider Chouchou. En plus, il s'est fait... Il a mal au dos. Il s'est fait mal au dos hier parce que je lui ai dit, on va nettoyer les roulettes de ta chaise de bureau. Parce que de temps en temps, vous savez, j'enlève les roulettes des chaises de bureau pour les mettre à tremper. Parce que nous, avec les chiens, le chat et tout, et puis, il y a des poils. Hein. On a beau nettoyer, mais dans les roues... Et puis il a porté sa chaise tout seul pour la mettre sur la table. Bien sûr, ça fait crac. Et puis là, cet après-midi, il a voulu faire le Karcher. Je fais, tu veux que je te mets de la crème, que je te masse? Il me fait, oui. Alors voilà. Mais bon. Donc tout ça pour vous dire que du coup, ben, j'ai stoppé là. Mais bon, j'avais quand même fait pas mal de points. J'ai fait dans les... Ah, je me disais, il n'était pas encore venu. Fifi, t'as pas la... Ah, bon, merci. J'ai fait plus ou moins 400 croix. Voilà. Donc, ça va. Alors, celle-ci, elle est sur une toile. Pareil, hein, je vais vous... Je remarque, faire liste des toiles. La fille qui a Alzheimer, qui est obligée de tout noter. Toile en cours. Ouais, parce que j'arrive pas à vous le... À chaque fois, je ne vous donne pas les noms des toiles. Donc, c'est une étamine. C'est une vintage mocha, je crois. Oui, je crois que c'est une vintage mocha. Et c'est une Murano. Donc, 12,6 fils. Voilà, elle est belle. J'aime beaucoup cette toile. J'aime beaucoup, beaucoup cette toile. Alors, j'en ai encore une hein, comme ça, mais que j'avais coupée en deux. Je ne sais pas ce que je ferai avec, mais voilà. J'aime vraiment beaucoup. Mon téléphone n'aime pas les couleurs. Hein. Voilà, là, vous voyez à peu près. Alors, moi, je le brode. Alors, pourquoi je dis « moi » ? Moi, je le brode en 2 fils. Donc, ce qui fait... Alors, j'aurais pas dû commencer comme ça, mais j'ai écouté Noémie, hein, de la boutique de Mère en Fille. Elle me fait, non, il faut que tu le brodes sur 2 fils. D'accord, chef. Je le brode sur 2 fils. Mais ce qui fait que... Oh là là, il va falloir que je mette sur des bobinettes. Je vous ai dit, les bobines font 3 brins. Et comme je brode avec 2 brins, ben, voilà, à chaque fois, je mets un brin là-dessus. Mais c'est galère. Je pense que demain, dimanche, je vais préparer des bobinettes en mettant les références. Et au fur et à mesure, je vais mettre sur bobinette. Parce que là, regardez, regardez, c'est en train de tout... Ça va tout s'abîmer. Je ne pourrai plus m'en servir. Donc, je vais les mettre sur les bobinettes. Et à chaque fois... Donc, moi, je le fais sur 2 fils parce que Noémie m'avait dit, ouais, il faut que tu le brodes sur 2 fils. Mais elle ne vendait pas la toile d'origine. Et les autres, donc Sonia et les autres, elles le brodent en 3 fils parce qu'elles ont eu la bonne toile. Mais bon, même en 2 fils, ça va. Hein, voilà. C'est parce que je vous dis, c'est un peu... Oh, ça m'énerve que ça fasse ça. C'est un peu plus contraignant parce que je suis obligée d'enlever un brin à chaque fois de mon Ma longueur de fil. Oh, Fifi! Ma longueur de fil. Oh! Et du coup, je vais les mettre sur des bobinettes et comme ça, au fur et à mesure. Et après, le fil ne sera pas perdu. Hein, je m'en servirai pour une autre broderie. Bon, voilà, je me couche. Pauvre Fifi. Non, c'est pas... Elle est gentille, ma Fifi. Ah, t'es gentille. Oui, t'es gentille. Alors, attends, maman, elle note. Hop. Oh là là, on fait des bisous. Oh, qu'on fait des bisous à sa maman. Oh là là, on est amoureuse de maman. Alors, là, vous l'avez vu. Celle-là, je vous la montre après. Ensuite, on est où? Là. Alors, ça, c'est une nouvelle qu'on a commencé. Donc, une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Donc, il y a 3 semaines. Si tu regardais ton cahier de suivi, tu aurais les dates, normalement. Ça sert à ça. Mais sauf si je ne l'ai pas fini de remplir. Ah bah non, ça c'est l'automne Quaker. J'ai marqué automne Quaker. J'ai rien rempli encore. Bon, un petit peu à la fois. Ça c'est pour le Black Rose. Alors j'ai fait une belle page. Je vais vous la montrer. Regardez. Elle est belle, hein, tout en automne. C'est pour le sale que j'organise avec Sabine. Qui commence aujourd'hui, voilà, à l'heure où vous regardez la vidéo, le sale est commencé, le sale de l'automne. Bon, ben, où est-ce que j'ai mis ma page? Ouais, enfin, que j'ai vu Sonia, elle a des petits onglets, je crois que c'est autocollant qu'elle a mis. Va falloir que je regarde pour trouver ça. Bon, sur Amazon, je vais trouver. Hein. Bon, ben non, ben, j'ai pas fait de page. Ah, si, la voilà. Non. Si, c'est celle-là. Donc, on l'a commencé le 1er octobre. Voilà. Et, ah oui, là, celle-là, je m'étais trompée. Voilà. Voilà. Alors, oui, là, j'ai fait une erreur. Ça y est, je vais coller une petite étiquette blanche et je vais remarquer. Je me suis trompée sur le nom de la toile, mais c'est pas grave. Voilà où j'en suis sur mon Star Dragon que je fais en duo avec Laety de la chaîne Les Loisirs de Laety. Laety a eu un petit souci cette semaine. Alors, je vous mettrai l'image de son avancée, elle. Vous voyez, on n'a pas commencé au même endroit. Moi, j'ai commencé au milieu. Elle a commencé en haut, à gauche. Et donc, la semaine dernière, donc, elle avait fait 500 points. Et elle m'a dit, il faut que je démonte tout. Elle a dû tout démonter ce qu'elle avait fait depuis le début. Donc, les 500 points. Parce qu'elle s'était trompée de couleur. Mais alors, elle a été une vitesse. Elle a démonté. Et le soir, elle me fait, ça y est, c'est brodé. Waouh. Elle avait brodé une vitesse pour rattraper son retard. Et là, ça y est, on est toutes les deux à 750 croix. Mais j'étais vraiment étonnée. Laety à une aiguille turbo. Donc voilà où j'en suis. Alors je trouve ça très agréable à broder, vraiment très très agréable. Toile de lin, ben oui, vous allez voir, je pense plus régulièrement des toiles de lin sur ma chaîne. Donc celle-ci c'est une toile de lin French lace. Alors c'est une Zegart, non c'est pas une Zegart je crois, Bah ça, je ne l'ai pas noté, mais je remarquerai ce que c'est exactement. Donc là, c'est une 16 fils. Voilà. Elle est chouette. Oui. Donc là, je brode avec les fils DMC, tout simple. Bon, Owl Forest, ils préconisent aussi leurs fils à eux. Mais je n'ai pas encore sauté le pas. Et je ne sais pas si je sauterai le pas, de toute façon, avec les fils Owl Forest. Je vous avais déjà expliqué hein, ce qui me freine avec leurs fils. Allez, Fifi, merci. Ce qui me freine avec leurs fils, c'est les frais de port. Le montant des frais de port, vous rachetez un lot de fils avec. Hein. Donc, ça me freine vraiment de commander chez eux. Donc là, j'ai fait combien? 250 croix. Bah oui, c'est ce que je vous disais. Donc 250 croix. On est à 750 croix. Et ça nous fait 2,26%. Voilà. Ensuite... Alors là, j'étais contente parce que je l'avais partagé. Ben, je partage régulièrement mes broderies hein, sur mon Instagram. Le lien de mon Instagram est en barre d'infos. N'hésitez pas à aller vous y inscrire. Et puis, il y a ma page Facebook aussi. Ma page J'aime, vous savez. Donc, n'hésitez pas à aller vous y inscrire. C'est ma broderie... Lucas, hop, l'aquarium, voilà. Et du coup, j'étais contente, j'avais été le poster et la marque Lucas qui me met un petit j'aime et un petit message. J'aime bien ça quand les marques, les boutiques bah, vous mettent un petit mot pour vous dire que c'est bien, merci. Eux ils m'avaient écrit thank you. Voilà, donc voilà mon avancée de mon aquarium Lucas. Bon, on dirait pas, mais j'ai quand même bien avancé. Il est où? Donc là, je le fais en format papier. Et donc, j'ai fait plus ou moins 250 croix. Voilà, et là, il y a le deuxième, la deuxième carpe. Que j'ai commencé ici, on commence à voir le bout de sa tête là. Donc, voilà, pareil, très agréable à faire. Alors celui-là, je sais que c'est une toile Aïda 16, si je ne me trompe pas. Là, c'est l'Aïda 16. Oui, l'Aïda 16, donc la 6,3. C'est une Aïda Zegart. Donc le coloris, bah, c'est beige. Ouais, beige. Et les fils, c'est les fils de Lucas, hein, les fils moulinés de Lucas. Alors, je vous avais dit que j'allais les mettre sur bobinette ou sur un trifil, mais j'ai pas encore eu le temps. Donc, pour l'instant, ils sont encore sur les trucs, là, en train de se mélanger. Mais voilà, voilà, voilà. Il est joli. Donc, ça va être une couverture totale, hein, mais c'est pas un grand truc, hein. Bah, de toute façon vous voyez hein, regardez, c'est pas énorme hein, comme broderie, donc voilà. Alors il y a vous voyez, c'est quadrillé. Alors le quadrillage s'en va à l'eau, mais comme c'est une couverture totale, si on voit pas à travers des dessins, je m'amuserai pas à le laver. De toute façon, moi, je vous l'ai déjà expliqué. Par contre, celle-là, j'ai oublié de la scotcher. Va falloir que je le fasse parce que sinon, elle va s'abîmer. Ouais, moi, quand je lave une de mes broderies, c'est parce qu'elle a eu une tache, qu'elle s'est salie, voilà. Mais c'est vraiment très, très rare que je lave mes broderies. Aquarium, c'est fait. ici. Ah oui, mon Long Dog Sampler. Toumens Maurice. C'est celui-ci. Voilà. Elles sont magnifiques, hein, les Long Dog Sampler. Là, c'est pareil. Toile de lin, 16 fils. Est-ce que j'ai marqué? Non, là, 16 fils. Et je le brode avec du fil multicolore. Voilà. Nuit canadienne. Donc, c'est un fil DMC. C'est pas une variation, hein. C'est un fil multicolore. Donc, il y a des fils variations et il y a des fils multicolores. Il y a les deux. Voilà. Mais je préfère les multicolores. Ils sont beaucoup plus jolis. Et voilà où j'en suis. Alors, j'ai fait ici le cheval là, avec les ailes. Voilà. Alors par contre, quand j'ai fini, je me suis aperçue que j'ai fait une toute petite erreur sur ce cheval. Donc j'ai posé l'aiguille, j'ai dit je le démontrais. Il n'y a pas grand chose à démonter, hein. Il y a 4 points, mais c'est parce que ça va me faire un décalage. Et comme là j'avais déjà eu un décalage, je dis on ne va pas le faire deux fois. Donc j'ai un petit aiguille là quelque part qui ne va pas. Donc vous voyez, il n'y a presque rien à démonter, mais ça va aller. Voilà, alors, voilà, voyez les couleurs. Et donc, toile de lin, 16 fils. Bon, c'est fin, hein, du 16 fils, hein, mais ça va. Bon, comme ça, je ne pourrais pas broder, hein. Sans ma loupe, je ne pourrais pas le broder. Mais avec ma loupe, ça va très, très bien. Mais j'aime bien. J'aime bien les changements de couleur. Alors c'est dommage, je n'arrivais pas à bien voir avec mon téléphone. Voilà. Est-ce que c'est parce que la... C'est rien, c'est mon doigt. Non, on ne verrait pas mieux. Voilà, je suis désolée. Ah, là, voilà. Bouge plus, Edith. Voilà. Alors, mon Long Dog, j'ai fait 375 croix. Je suis arrivée à 3546 et je suis à 9,02%. Alors ça, c'est une broderie. On est à plusieurs à la faire. Donc, il y a Sonia de Diamant Rose, Amélie de Designs et Diamant, Geneviève de Once Upon a Trade. Voilà. Donc, on est toutes les 4. Je ne pense pas qu'il y en ait d'autres. On est toutes les 4 à faire cette broderie. Donc, on se la fait comme on veut, hein. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Vous l'avez vu. Oups, là. Celui-là, je vous l'ai montré également. Ah, là, je suis contente. Je suis fière de moi. Je suis fière de moi. Je suis très contente. J'ai d'ailleurs été lui acheter son cadre tout à l'heure. Alors, il me faudrait un cadre carré, mais il n'y en a plus chez Action. Il m'embête chez Action. Donc, ce sera un cadre rectangulaire. Mais bon, on s'en arrangera. C'est pour ma grenouille. Voilà, ma grenouille. Alors, j'ai bossé sur 2 jours. Alors, c'était ma broderie du lundi. Mais j'ai dit non, il faut que je tape dedans, il faut que je tape dedans, il faut que je tape dedans. Parce que j'en ai marre, il faut qu'elle se termine. Ce qui fait que j'ai fait dimanche et lundi dessus. Donc, j'ai travaillé 2 jours dessus, que sur celle-là. Et du coup, j'ai fait en tout 1200 croix sur les 2 jours. J'ai fait 1200 croix et il m'en reste plus que 802 à faire. Je suis contente. depuis le temps qu'elle traîne. Voilà. Alors, il y a, pareil, il y a un petit zigouigoui là, quelque part. Il n'y a que moi qui le sais. Bon, maintenant, vous le savez, mais je ne vous ai pas montré où exactement. En marchant vite, ça ne se verra pas. Hein, voilà. Je suis trop contente parce que là, ça y est, elle se termine. Donc, il me reste là en bas. Bon, il y a peut-être des petits points à droite, à gauche. Et encore, je ne suis pas sûre. Si peut-être là, 2, 3. Là, normalement, ici, c'est fini. Cette partie-là est terminée normalement. Et puis après, il me restera encore ici dans les feuillages, il y a encore un peu de... Voilà. Et ici, je sais pas. Ouais, si, hein, il y a aussi ici. Voilà. Ouais, tout le bas, là. Voilà. Ben, elle est trop belle. Donc, la grenouille de Poussière d'Étoiles. Pareil, elle est toujours sur la boutique, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur la boutique hein, pour acheter le PDF ou la grille papier. Alors, le dos, comment dire, c'est abstrait. Ça ressemble un peu à du Picasso derrière. Voilà. Ça va, vous n'êtes pas tombé dans les pommes? Au bout d'un moment, hein, je tire. Je sais que c'est pas bien. C'est pas une broderie propre, mais on s'en fout. Hein, le dos, de toute façon, après, c'est dans le cadre, hein, ça se voit plus. Mais je suis trop contente d'être arrivée. Qu'il me reste plus que 800 points à faire. Oh oui. Et je voulais continuer, hein, je voulais. Et après, j'ai dit, oh, j'en peux plus, j'arrête. Non, mais là, je suis vraiment contente. Les petits grenouilles. Je suis contente que j'arrive à finir une broderie à Sabine. Hop. J'en ai encore deux à terminer à Sabine. Le colibri et le Bouddha. Hop. Donc là, je vous ai dit, j'ai fait en tout 1200 croix. Il y a eu 8588 croix de fête. Et je suis donc à 91,46%. Voilà, j'arrive à la fin. Il n'y a plus que 8% à faire. Je suis contente. Waouh. Ici, petit duo. Bah, ce sera la dernière dans les petites. Enfin, les petites, vous comprenez quand je dis petites. Hein. Hop. Alors là, pareil, j'ai eu des félicitations et de la boutique Univers Broderie, puisque la toile vient de chez eux. Et il m'avait même mis... C'est dommage, sur Instagram, les stories, ça reste pas. Donc, mais bon, c'est pas grave. Donc, il m'avait même mis en story ma photo. Je suis trop contente. Parce qu'ils aiment beaucoup la toile que j'avais choisie. Donc, pour faire mon lili point. Voilà. Voilà où j'en suis. Donc, j'ai fait toute cette partie-là, ici en haut. Pareil, j'avais pas envie d'arrêter, mais bon, comme on fait 4 cases avec Céline, je voulais pas la faire trop. Donc là, il me reste une phrase ici à faire. Là, j'ai la ronron. Là, bah, attendez, je l'ai là. Il me reste quoi à faire? Alors, je suis là. J'ai fait cette partie-là. Pourquoi c'est jaune? Et moi, j'ai fait rouge. Pourquoi j'ai jaune? Ça fait erreur? Oh non, hein? Gaston Lagaffe. Petite croix. Oui? Ah! Eh ben oui. Bon, ça va, il n'y a pas grand-chose. Il y a 4 lignes. Ah, bon, Gaston la gaffe. Hein, le roi de la gaffe en broderie, c'est moi. Donc, je disais... ouais, j'ai fait là, donc à l'envers, hein, ici, hop, hop, hop. Et j'étais arrivée là. Et moi, je l'ai fait rouge. Bon, c'est jaune. Enfin, c'est couleur or, exactement. Mais c'est pas grave, vous voyez, j'ai presque... Il n'y a presque rien, donc ça ira très vite à démonter et à refaire. Je sais pas. Donc moi, c'est cette couleur-là que je dois faire. Voilà. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, mais ça avance super bien. Bon, je ne me suis pas encore remis sur mon chat, il faudrait que je m'y remette. Parce que c'est la plus grosse partie à broder. Et ça va faire comme mes carottes, là, je vais le bouder. Donc la semaine prochaine, je vais démonter ça, voilà. Mais la semaine prochaine, je vais me mettre sur mon chat. Voilà, pour avancer mon chat. Alors, voilà le mien. Et je vous mets également la broderie à Céline. Donc, on ne fait pas la même broderie toutes les deux. Donc, moi, c'était celle-ci. Et je vous mets également l'image de la broderie de Céline. Donc, nous, notre but, c'était de faire un lily-point sur le thème du chat. Et donc, on a eu une broderie chacune différente, mais sur le chat. Mais j'aime beaucoup les deux modèles. Hein. Celui de Céline, j'aime beaucoup aussi. Et j'aime beaucoup celui-là. Alors du coup, je vous dis, Univers Broderie avait partagé ma photo en me disant que c'était vraiment un bon choix de toile. Voilà. Et je suis contente. Je suis contente quand les marques me mettent des petits mots gentils. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Alors, hop. Là, Lily Point, il est où? Il est là. Donc, j'ai fait plus ou moins 200 croix, donc 4 cases. Voilà. Donc, pour les petits, enfin... Oui, les petits, ceux qui ne sont pas sur les grands cuisnaps ou les grands métiers. J'ai terminé. Je vais vous montrer maintenant les autres broderies. Je vais faire une petite pause. Pour vous, c'est 1/10 de seconde et encore. Moi, je me prends juste 5 minutes. Comme ça, je vais ranger toutes les broderies que je viens de vous montrer. Ça va me faire de la place. Et on se retrouve tout de suite. Ne partez pas. Voilà, j'ai pas été longtemps. Hein. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure que j'avais, que je commençais à faire régulièrement, vous voyez, mes broderies, enfin mes fiches broderies. Mais je fais également ce petit carnet que j'ai eu avec la boutique Poussière d'Étoiles. Je vous l'ai présenté dans la vidéo les nouveautés de la boutique Poussière d'Étoiles. C'est un carnet de broderie et dans laquelle, pareil, vous allez mettre... donc, ça fait des fiches comme ça. Voilà. Et on met donc le nom du créateur, le modèle, la date du début, la date de fin, l'investissement, donc combien ça nous a coûté, et la description. Et en bas, on peut mettre des stickers holographiques ou une photo. Et donc, moi, ce petit carnet, du coup, je m'en sers exclusivement pour les broderies de Poussière d'Étoiles. Alors, je n'ai pas fini de le remplir. Et j'ai dû découper mes stickers parce que je les avais collés sur un cahier lambda. J'avais fait un carnet de broderie sur un cahier comme ça. Et du coup, je ne pouvais plus décoller mes stickers. Donc, j'ai découpé autour. Mais là, je n'ai pas fini de remplir. Donc, la grenouille, la demeure de charme, le colibri. Alors ici, il faut que je rachète sur la boutique le stickers. C'était le fan. Donc j'ai mis un petit stickers comme ça aussi. Voilà. Là, il y a les petits papillons. Celle-là, elle était terminée. Hein. Je l'avais finie. Je ne sais plus quand, mais elle est finie. Et là, je refais une deuxième page, malgré que j'en ai fait une dans le grand carnet, pour le sale de l'automne que l'on commence donc aujourd'hui. Et là, j'ai commencé à le décorer avec un petit stickers, donc c'est un petit écureuil, mais je vais mettre d'autres choses et après je mettrai une photo ou quelque chose, je verrai. Donc celui-là, je le consacre juste pour les broderies de Poussière d'Étoiles. Allez, on continue. Donc, je vous avais dit, le mercredi, c'est le H.A.E.D. du mercredi. Et donc, j'ai travaillé sur ma japonaise. Il va falloir que je remets ma toile. Elle s'est enlevée. Enfin, pas enlevée, mais... voilà. Donc, voilà ma japonaise. Alors, j'ai travaillé ici. J'ai travaillé là-haut. J'ai travaillé, et puis un petit peu partout. Je commençais à reboucher les trous, là, qu'il y avait... Donc, voilà où j'en suis sur ma japonaise. Donc, pareil, elle est agréable à faire. Bon, bien sûr, il y a... Comment? C'est pas confetti. C'est qu'il y a des... Bon, il y a des changements de couleur. Bah, là, vous le voyez. Hein. Mais c'est pas confetti. C'est juste... Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai hâte d'arriver, c'est à son visage, parce qu'elle a un visage magnifique. J'ai hâte d'y arriver. Donc là, c'est ça, c'est pas une barrette, c'est un pic qu'on met dans les cheveux. Là, il va y en avoir deux autres ici, quelque part. Voilà. J'aime beaucoup. Du coup, j'ai bien avancé dessus. Mercredi, on est où? Ah, on est là. J'ai fait 700 croix et je suis arrivée à 6224 croix, soit 8,24%. Voilà. Donc celui-là, c'est un mini. Hein. Enfin, mini, façon de parler. Il y a 89 couleurs, si je ne me trompe pas. Mais ça, j'aime vraiment beaucoup. Non, il est chouette. Alors celui-là, c'était un qu'on m'avait offert. La personne qui me l'a offert se reconnaîtra. Je fais encore des gros bisous. Voilà. Non, j'aime vraiment beaucoup. Donc là, je le fais sur... bah, je ne vous ai pas montré. C'est sur une étamine 12.6 fils Easy Count. Voilà. Donc ça, c'est pareil. Ça part au lavage, hein, le quadrillage. Mais là, c'est une couverture totale. Donc, pareil. Hein, je pense pas que je vais m'embêter à la laver. Parce que bah, ça se verra pas. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Ça, c'était ma broderie du mercredi. Moi, H.A.E.D. Allez, rentre dans ta petite valise. Voilà. Hop. Donc, elle est où? Elle est là. Je vous l'ai montrée. Je peux la pointer. Ensuite, non, reste comme ça. Voilà. Voilà, c'est les grosses broderies. Hein. Je vais mettre mon verre de l'autre côté, j'ai pas envie de faire des catastrophes. Je dis assez Gaston Lagaffe comme ça. Alors, est-ce que j'ai travaillé sur celui-là? Que je ne sorte pas pour rien, attendez. Ouais, mais j'ai travaillé quand dessus? Ah oui, là, c'est bon, je peux le sortir. Bon, non, c'est pas celui-là. Non, j'ai pas travaillé dessus, celui-là. Ah non, 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 bon. Je l'ai sorti pour rien, mais celui-là, vous le connaissez aussi, hein, c'est mes pans royaux. Non, j'ai pas travaillé dessus cette semaine. C'est pas celui-là. Ah, voilà. Alors, j'ai repris... Alors, je l'ai pas repris beaucoup, mais je l'ai repris. C'est ma maison météo. Alors, en plus, ça faisait un moment que je l'avais stoppé. Je ne savais plus où j'étais arrivée, à quel jour j'étais arrivée. Ça a été galère. Mais ça va, je m'y suis retrouvée. Mais bon, j'ai pas avancé beaucoup. J'ai fait 2 semaines. Voilà. Donc 2 fenêtres. Voilà. Mais là, il me... Alors, si je me trompe... Alors là, il y a encore 2 fenêtres à broder. Si je me trompe pas... Alors, tout ça, c'est fait. Enfin, c'est pas fait sur la mienne, mais je veux dire, c'est fait. Et je crois qu'on est ici ou ici. Ici, peut-être. Donc, vous voyez, il y a encore tout ça à rattraper. Voilà. Et à broder les fenêtres qui manquent. Donc, il m'en manque 2 là. 2 là. Et 1 ici. Voilà. Enfin, là, elle est faite à moitié. Il ne reste plus que la boiserie à faire. Ça, mais là, on voit que la fin de l'année arrive là, hein. Il n'y a plus grand chose hein, quand même, puisque quand j'aurai fait ça, bah, il me reste, si, je crois que c'est là, hein, oui. Bon, si celles qu'ils font là, c'est le comble, hein. C'est moi la créatrice de la broderie et c'est moi qui suis perdue. Remettez-moi à jour si je me trompe. Donc il restera 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fenêtres, plus la porte. Voilà. Donc, il reste 11 ou 12 semaines voilà, à broder. Et elle sera terminée. Et après, bon, j'ai encore tout le décor. Hein, parce que là, même le décor, moi, je ne l'ai pas fini. Vous voyez, là, j'ai encore un... Là, bon, le sapin, il est fait, la barrière est faite. Mais ici, j'ai encore une brouette, j'ai un arbre à faire. Là, de chaque côté de la porte, j'ai un chat, un parapluie. Après, il y a les bouquets de fleurs. Ouais, il y a encore du taf dessus quand même. Et puis, le toit. Là, vous ne le voyez pas, mais le toit n'est pas fini. Pas du tout. Mmh. J'arriverai bien à le terminer. Hein. Alors, j'ai, pour celles qui seront intéressées, j'ai commencé la création d'une nouvelle broderie donc, que je suis en train de dessiner et de faire sur mon logiciel de broderie. Une nouvelle broderie météo. Bon là elle n'est pas du tout finie donc je viendrai vous en reparler dès que j'ai terminé de la créer, de la dessiner et la mettre en grille. Là. Sonia, excuse-moi, je te réponds. Voilà. Alors, ensuite, donc celle-là, c'était la maison météo. Donc, la maison météo, en tout, j'ai fait 234 croix. Donc deux fenêtres, ça vaut à 234 croix pour les vitres, hein, bien sûr. Donc ça, c'est fait. Voilà. Il m'en reste deux à vous montrer. Alors celle-ci, alors je vous avais dit, il y a le mercredi du H.A.E.D., mais ça ne va pas m'empêcher de travailler non plus sur les autres H.A.E.D., un peu moins, mais ça ne m'empêchera pas de travailler aussi sur mes autres H.A.E.D. parce que il faut que je les avance également. Voilà, j'ai avancé mon paysage, voilà. Donc, j'ai travaillé toute la montagne ici. Et, alors, qu'est-ce que je suis contente d'être dans les montagnes. Oh, ah ouais, c'est vraiment tip-top. Là, je suis vraiment contente. C'est vraiment top. Bon, je vais remonter sur le ciel aussi, hein. Mais là, je suis contente de commencer à voir vraiment de paysages. Après, il va y avoir les grandes montagnes, les collines, toutes les maisons. Ça va vraiment être superbe. J'adore vraiment cette broderie. Elle est vraiment magnifique. Donc, celle-ci, je l'ai mis où? Ah là. J'ai fait 425 croix dessus. J'en suis à 8770, soit 6,49%. Voilà. Oui, il y a encore du taf. Hein. Je ne suis pas encore à 10%. Donc, mais j'aime vraiment, vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Ouais. Alors, excusez-moi, hein. Voilà, il n'y en a plus qu'une à vous montrer. Donc, celle-là, c'est fait. Voilà. Hop. Justement, c'est celle que je fais en duo avec Sonia. Hop. Alors, quand je vous explique. Alors, Sonia et moi, on fait la version monochrome. Il y a... Et moi, je réponds à Sonia en même temps. Oui, nous, on fait la version monochrome. Et il y a les autres filles du gang des Québécoises qui font la même broderie aussi, mais elles font la version multicolore. Donc, je ne sais plus qui c'est qui le fait. Il y a Laety, je crois. Bon, ça, il faut que je vous refais une liste hein, des duos, tout ça, pour être sûr. Alors, ici, pareil, je vous avais dit la semaine dernière, Sonia avait eu un gros problème. Elle a dû démonter toute une case parce qu'elle avait des erreurs. Elle n'arrivait pas à rattraper, donc elle a démonté. Je lui avais laissé une semaine, j'ai oublié de rentrer un fil là, c'est pas grave. Je lui avais laissé une semaine blanche, c'est-à-dire que moi je ne brodais pas, pour qu'elle puisse rattraper sa case. Et donc ça c'est fait, elle l'a rattrapée. Alors je vous explique, normalement on fait 300 croix par semaine. Mais cette semaine on en a fait 322. Pourquoi ? Parce qu'en faisant 300 croix dans la case ici, il ne restait plus que 22 croix à faire. Donc, on a décidé de les broder. Comme ça, hop, ça, c'est fini. Voilà. Donc, cette fois-ci, on devait faire toute cette case. Et ben, ces trois cases-là sont terminées. Voilà. Donc là, moi, ben, du coup, j'avais tiré au sort la semaine dernière. On va refaire une case. Ah ben, je ne l'ai pas sous la main. C'est pas grave. On va faire une case. Ça va être la case 8. Et du coup, la case 8, elle vient ici... ici quelque part. Alors, donc, il va falloir que je bouge ma toile, mais ça, c'est pas grave. Donc, voilà. Donc, moi, je la fais avec trois couleurs. Le jaune, le C7, c'est des fils étoiles, hein. On brode en fil étoile. Le C725, le turquoise, c'est le C995 et le bleu marine, c'est le C823. Voilà. Donc moi, je suis sur une toile étamine 12.6 fils bleu canard. Et je vous montre la toile de Sonia, qui, elle, le fait sur une étamine 12.6 fils, mais couleur rubis. Et elle, elle le brode en monochrome avec un fil étoile gris clair. Voilà. Donc, ça y est, on a fini notre deuxième étape, on va dire. Là, on va attaquer donc une nouvelle case la semaine prochaine et on fera nos 300 croix. Voilà. Voilà, niveau broderie, ben, je vous ai tout montré. Oh, je fais les bêtises, je l'avais dit. Hein, heureusement, c'est pas le vert. Je vous ai tout montré. Voilà. Alors. Mon challenge. Alors, mon challenge, donc je vous avais dit, je devais faire 3000 croix sur la semaine. Eh bien, j'en ai fait 5037. Donc, ça va. Hein, j'ai bien brodé. La semaine dernière, j'en avais fait 4485. Donc, j'ai fait, on va dire, 500 croix de plus. Donc, très, très bien. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Plein de choses encore. Hein, je n'ai pas fini, ne vous inquiétez pas. Alors, c'est le sampler de... Oh, je ne sais plus le nom du sampler. Attendez. Parce que je voulais vous parler de quelque chose. Je ne l'ai pas marqué là, bien sûr. Le temps que ça s'ouvre. Alors, en novembre, comme je vous ai dit, il y a des nouveautés qui vont commencer. Il y aura le H.A.E.D. Donc, moi, je l'appelle le hibou du savoir, que je vais faire en trio avec Ludovic et Amélie. Donc, on commence ici le 1er novembre. Donc, Amélie, je sais qu'elle va commencer par le milieu. Comme moi. Moi, je commence aussi par le milieu parce que j'ai envie de voir la tête du hibou bien s'avancer. Laurent, je ne sais pas s'il commence au milieu ou s'il va commencer en haut à gauche. Mais je vous montrerai à chaque fois les avancées. Je cherchais quoi là? Ah oui, ici. Ensuite... Donc, il y a le Black Rose de Owl Forest, la toute dernière grille de broderie sortie sur le site. Non, c'est pas celle-là que je voulais voir. Que je fais en monochrome avec les fils Atalie et avec la toile de lin que je viens de vous montrer. Et on va faire... Ben, je ne l'ai même pas là. Ah non, non, je me trompe, c'est pas un Owl Forest, l'autre que je veux vous montrer. Celui-là, oui, c'est un Owl Forest. Alors, on va être à plusieurs à le faire, le Black Rose. Moi, je le fais déjà en duo avec Laety. Et il y a plusieurs filles sur mon groupe de broderie qui vont le faire également en même temps que nous. Donc, plus on est de fous, plus on s'amuse. Là, j'espère que je l'ai enregistré là. Alors, oui, la voilà là. Est-ce que j'ai son nom? Oui, c'est le 251, voilà. J'avais oublié de le marquer. Donc, là, je commence... Là, par contre, c'est le 12 novembre, le jour de mon anniversaire. On commence... Alors, il y a plusieurs du gang des Québécoises qui vont le faire avec moi. Et il y a aussi plusieurs filles de mon groupe de broderie qui vont le commencer aussi et le faire en même temps que nous. Ça va être le sampler 251. De toute façon, je vous aurais remis les images à chaque fois. Et celui-là, moi, alors il y en a qui vont le faire sur des toiles claires, mais à la base, il faut le faire sur une toile noire. Mais bon, je comprends que tout le monde ne peut pas broder sur du noir, c'est pas une toile facile. Moi je me lance le défi de, malgré que ça fait très longtemps que j'ai pas brodé sur du noir et j'ai brodé rarement en plus sur du noir, donc là je me lance le défi malgré ma mauvaise vue tout, de le faire sur une toile noire. Comme je ne change rien, ni les couleurs ni la toile, je prends tout ce qui est préconisé par la créatrice. Donc ça, on le commence le 12 novembre, voilà, donc c'est pareil, vous verrez le suivi un petit peu à la fois et nos avancées pour ce sampler. Le Black Rose, ben, je viens de vous en parler, et il y a également, alors celui-là, j'ai encore rien préparé, il faut que je prépare, que je regarde sur quelle toile je vais le mettre, les couleurs et tout, parce que c'est pareil, à la base c'est un monochrome. C'est un sampler papillon, donc il y a plusieurs papillons et tout. À la base il y a un alphabet dessus, mais j'ai une fille de mon groupe, un membre de mon groupe qui l'avait déjà brodé, et c'est pour ça ça nous a donné l'idée de le faire. Enfin j'ai un peu... titiller des filles pour qu'elles le fassent. Elle l'avait fait mais sans faire l'alphabet, donc elle avait rajouté des papillons à la place et c'était vraiment super beau. Donc là on a la grille, on a les grilles des papillons et tout pour rajouter, mais non, on ne mettra pas l'alphabet. Alors je sais qu'il y a, alors pareil, on va être plusieurs à le faire, mais j'ai pas tous les noms. Je promis, juré, la semaine prochaine, je vous note tout. Je sais qu'il y a déjà Sonia qui va le faire, et puis moi. Mais bon, moi, j'ai encore rien préparé du tout. Donc, je vais préparer ça la semaine prochaine. Je sais pas encore sur quelle toile je le fais. Si je le fais sur de l'étamine, si je le fais sur du lin, je sais pas encore. Je verrai. Donc ça, c'est les 4 entrées, nouvelles entrées broderie qui commencent en novembre. Ouais, je suis folle. Mais bon, quand on aime, on compte pas. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, hop, on va... tirer au sort avec la roue les broderies de la semaine prochaine. Alors, en sachant qu'il y a déjà les obligatoires, voilà, je devrais les marquer à chaque fois, mais bon. Hop, obligatoire. Donc, il y a le sampler 124 avec Sonia. Il y a mon Lily Point. Mon Star Dragon. Mon Long Dog Sampler aussi, hein, puisque on le fait en duo, enfin duo, trio, non tri. On est à combien j'ai dit? Long Dog, on est à 4 pour le faire. Voilà. Donc ça, c'est mes obligatoires, si j'en ai pas oublié. Et maintenant, on va tirer au sort mes points comptés, enfin mes broderies. Donc, est-ce que je peux enlever la prise un petit peu? Ouais. Il y en a là, toi, je te bloque. Bien sûr, je n'arriverai pas à la bloquer. Ah, voilà. Ah, oh, mais, on va se laisser faire par un câble. Hop. Je cache la tête à Sonia avec le messenger. Alors, d'abord, on va faire les pubs. Il y a des gens des pubs. Ignorer la vidéo. Hop, fermé. Voilà. On va d'abord tirer au sort le H.A.E.D. du mercredi. Voilà. Donc, il y en a 4 dessus, en sachant que si on tombe sur le hibou, je ne commence pas, je changerai, puisque le hibou, ce sera à partir de la semaine prochaine. Hein. Donc, le H.A.E.D. C'est parti. Ah bah le paysage. Voilà, le paysage. Donc ça, ce sera mon H.A.E.D. du mercredi. Voilà. Allez. Hop. Maintenant, on va tirer au sort. Alors, j'espère que j'en ai pas oublié. Non. Donc, si c'est déjà dans les obligatoires, on tirera au sort. Oh, le tigre. Le petit tigre de Lucas. Hop. Allez. Le Star Dragon. Ah non, le Star Dragon, il est dans les obligatoires. Bah, voyez, j'ai déjà marqué. Donc, non, c'est déjà mis. Bah, le lit point, je devrais les enlever les obligatoires parce que du coup j'en ai un autre obligatoire, ma demeure de charme, j'avais que voilà, mais j'avais dit à la demeure de charme je vais essayer d'en faire un petit bout tous les jours. Alice. Alice au pays des merveilles. Touloutou, touloutou. Oh, le Bouddha. Le Bouddha. Il me refait le même tirage ou quoi? Oh, comment j'ai écrit Bouddha sur mon livre. Oh là là, bon, ça y est. Ah, Mastin Puck. Donc, c'est mon H. C'est comme un H.A.E.D. Alors, Mastin Puck. Donc, s'il y a un autre H.A.E.D. qui ressort, là, je le prends pas. Donc, on est à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Allez, encore 4. 4 ou 5. Ah bah les Floralie. Voilà. Ah bah la grenouille, oui, ça c'était sûr. De toute façon, la grenouille, je la mets même lundi. Parce que je veux absolument la terminer. Donc, pour la 3e fois, ce sera ma broderie du lundi. Mais je pense que là, elle sera finie. Mon petit Fox. Oh, il est trop chou. Mon petit fox. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Encore une. Ah, celui-là, non. Il est mis de côté, je vais le finir. Alors, j'ai définitivement arrêté la série, malgré que j'ai commencé que le premier. J'ai dit aux filles, donc à Isa et à Armel, que moi, je ne continuais pas. Je vous jure, l'estampé, je ne peux plus. Bon, il faudra que je termine mes estampés commencés, hein. Mais vraiment, les estampés, ça me dit vraiment plus rien. J'y arrive pas. Bah, ma maison météo, ça c'est bien. Voilà. Voilà. Donc, il y en a qui font... Alors, je ne sais pas si je laisse comme ça. Hop. Je ne sais pas si je laisse comme ça. Et que pour la semaine prochaine, prochain tirage, du coup, on va tirer au sort d'autres broderies. Parce que sinon, il y a toujours les mêmes qui ressortent. Vous voyez, le Alice, le Bouddha... la steampunk sort souvent, voilà, donc je vais laisser comme ça pour la semaine prochaine. Voilà, ma roue elle sera comme ça pour la semaine prochaine, on la remettra à zéro la semaine prochaine pour qu'il y ait d'autres broderies qui sortent, parce que là il y a encore l'orchidée de la Narthe, ma broderie du Nouvel An, le colibri, le patchwork sampler, les pauvres. Les filles, je suis désolée, mais je suis complètement à la masse sur celui-là. Mon hibou, mon automne quaker, l'aquarium, les hérons de la Narthe, mes pans royaux, mon cœur aquarelle. Voilà. Donc, pour la semaine prochaine, je vais laisser la roue telle qu'elle pour qu'elle me sorte d'autres broderies. Parce qu'il faut que j'avance sur les autres broderies aussi, sinon c'est pas, ça vaut pas le coup. Voilà. Alors, ah, les pubs Tému. Attends, la pub Tému. Voilà. Donc là, bah, c'est bon. Au niveau des roues, on est bon. Donc, je vous récapitule depuis le début. En obligatoire, si j'ai rien, si j'ai pas oublié de personne, j'ai mon sampler 124, mon Lily Point, mon Star Dragon, mon Long Dog Sampler et ma demeure de charme. En H.A.E.D. du mercredi, ce sera mon H.A.E.D. du paysage. La broderie du lundi, ce sera ma grenouille. Normalement, elle sera terminée cette semaine. Et pour les autres broderies, donc, il y aura le tigre, le Alice au Pays des Merveilles, le Bouddha, ma steampunk, les Floralies, le fox et ma maison météo. Voilà. Ben, c'est bien. Du bon boulot pour la semaine prochaine. Alors, et puis, je marque mon challenge, mais ça, bon, je le sais, mais je le marque toujours quand même sur mon carnet. Voilà. Et donc, ce sera la... ah non, ce ne sera pas encore tout à fait la dernière semaine du mois. Il restera encore après 1, 2, 3, 4. Il restera encore 4 jours pour terminer le mois après. Voilà. Allez, maintenant... Je bois un coup, fait soif. Avant de vous montrer mes tricots, Je vais vous dire ce que j'ai regardé de beau cette semaine sur YouTube. Hop, allez. Alors, qu'est-ce que j'ai regardé de beau? Voilà. Allez, hop, toi, non. Allez, on commence dès le début. Ici, voilà. J'ai regardé le Flostube numéro 8 de Designs et Diamant, donc Amélie, qui fait partie du gang des Québécoises. Donc, c'est son Flostube numéro 8. Trop de projets. Non, tu crois? Non, 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 non. On n'a pas beaucoup de projets. On a un projet à la fois. On en brode un à la fois. On ne sait pas broder deux. C'est dommage qu'on ne sait pas broder deux broderies en même temps. Ensuite, donc je vous mettrai les liens hein, des chaînes que j'ai regardées. Diamant Folie. Donc, bon, c'est vrai que le gang des Québécoises, le 15, il y a tous les flostubes. Donc, c'est chouette. Donc Diamant Folie, j'ai regardé son flostube numéro 7, donc octobre 2024. Pareil, hein, plein de belles choses. Bon, pas beaucoup d'encours non plus, hein, juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut. Alors, j'étais en train de regarder si... Oui, celui-là, je ne vous l'ai pas dit. Le Flostu... Alors, attendez. Parce qu'il y a un petit mélange, là. Je sais pas, j'ai des vidéos à moi qui se sont mis dedans. Voilà. Hop. Comme ça, on y voit plus clair. Excusez-moi, hein, je fais mon petit ménage. Voilà. Et voilà. Oui, ça y est. Je savais que j'en avais oublié une. J'ai regardé le Flostube numéro 6 de Laety, Les Loisirs de Laety, récapitulatif des broderies en cours. Pareil, Laety n'a pas beaucoup de broderies non plus. Non. On en est toutes là, hein. On en est toutes arrivées au même point. Ensuite, alors, j'ai regardé, bon, j'ai pas tout regardé, j'ai juste regardé le début un peu pour voir ce que c'était, parce que le Sonia en avait parlé dans sa vidéo d'une chaîne, alors je pense que c'est une chaîne américaine, elle fait de la broderie, bien sûr, mais elle ne fait de la broderie que, enfin, je pense que toutes ces vidéos sont comme ça, en ASMR. Et elle fait des très 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 beaux ouvrages. Donc là pour l'instant j'ai regardé le début d'une première. Je regarderai les autres parce que vraiment j'aime beaucoup et j'aime beaucoup je vous avais expliqué hein, les ASMR. Oh. Il commence à être tard. ASMR, voilà. Donc c'est la chaîne Stitching Masterpiece. Je vous mettrai le lien aussi de sa chaîne. Donc si vous aimez bien, n'hésitez pas à aller voir. Mais ça a l'air intéressant. Enfin, ça a l'air pas mal. J'ai regardé également. Alors c'est son deuxième Flostube. Vous savez que sa chaîne est ouverte depuis pas très longtemps. C'est la chaîne de Hans Upon the Thread, voilà, c'est la chaîne de Geneviève. Là, elle a fait son Flostube numéro 2. Et ben pareil, hein. Non, pas beaucoup d'encours. Alors par contre, alors j'ai regardé les vidéos, mais j'ai pas mis les commentaires encore à tout le monde. Mais je te félicite pour les châles. Alors, je ne sais pas, je ne sais jamais dire son nom, c'est le... Vous le connaissez très certainement, C'est le gars là qui fait des patrons de très très grands chats de toutes les couleurs. Steven West, c'est ça je pense, Steven West, un nom comme ça. Oh, alors ça, moi je ne pourrais jamais. Donc je te félicite pour ton châle et celui que tu viens de commencer. Et aussi pour tes broderies, hein, bien sûr. J'ai regardé également le Flostube de Diamant Rose. Voilà, excusez-moi. C'est son Flostube numéro 7. Je ne m'étais pas trompée là-bas tout à l'heure. Non, Diamant Folie, c'est ça. Et bah, pareil, hein, voilà, quelques petites broderies, voilà, qu'elle fait. Ah là là. Mais bon, on a beaucoup de broderies qui sont aussi en commun, toutes, donc voilà. Il y a une mouche qui embête Fifi, un moucheron. Non, bouge pas ma Fifi, il y avait un petit moucheron qui voulait t'embêter. Ensuite, j'ai regardé le fil de Saria. Donc c'était son vlog broderie, au revoir l'été. Je vous avais déjà dit lors d'une précédente vidéo qu'elle s'est inscrite à des cours de broderie traditionnelle et donc elle nous fait des vidéos pour montrer ben, les broderies qu'elle a fait avec les cours auxquels elle est inscrite. Et ben, écoutez, hein, c'est superbe, bravo! J'ai regardé le Flostube de Les Loisirs de Sèvres. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas été regarder sa chaîne. Alors, elle a une brode en ce moment. Comment elle s'appelle? C'est Marie Suarez, je crois. J'entends la mouche. Ouais, je crois que c'est Marie Suarez. Oh. J'ai même gagné le même livre, moi, un concours. Et donc, elle est en train de broder toutes ces broderies. Là, là elle nous a montré octobre, puisqu'elle allait faire après. Elle a montré, elle fait aussi... donc, dans ces broderies-là, c'est mélangé un point de croix traditionnel, points spéciaux. Elle fait aussi du crochet. Alors, je suis contente d'avoir vu dans sa vidéo, parce que j'avais déjà vu cette boîte. C'est une boîte pour des granny. Donc, dedans, il y a une carte par granny. Et je ne savais pas justement comment était cette boîte. Cette boîte me fait envie depuis un petit moment. Et maintenant que je l'ai vue dans sa vidéo, bah, elle me plaît encore plus, cette boîte. Donc, je pense que je me l'offrirai pour Noël. Parce que c'est vraiment tip-top. Donc j'aime bien tout ce qu'elle fait, même ses crochets et tout, c'est vraiment bien. Alors, qui c'est que j'ai regardé ensuite? Les petites croix fantastiques, voilà. Alors, ce qui est fait n'est plus à faire, mais bon, j'adore son titre. Donc c'est bah, les avancées de ces broderies hein, sur les 15 premiers jours du mois d'octobre. Donc pareil, hein, en plus elle fait elle fait mais aussi de l'estampé, et puis elle en fait aussi des très très grandes, elle a du courage, elle a du courage. Et j'ai regardé, j'ai juste regardé le début, parce que ben, comme après on a été faire la cour, pareil, alors je sais, elle doit être américaine ou anglaise ou voilà, je sais pas. C'est son Flostube numéro 32. Alors là, le titre est en anglais. Big Finish and Spooky Season Project Gaylor. Je sais pas ce que... donc, j'ai vu les broderies qu'elle a terminées. Alors, celle que j'ai vue était surtout sur le thème d'Halloween. Mais bon, vous savez que moi et Halloween, on n'est pas trop copains. Mais Bon, je ne brode... c'est pas des broderies que je ferai, ça c'est sûr. Mais j'aimais bien ce qu'elle a fait. Ça sortait de l'ordinaire, vraiment. Ça sortait vraiment de l'ordinaire. Donc, sa chaîne, c'est M Kissa Création. Bon, là, je le dis un peu en français. Mais je vous mettrai le lien également en barre d'infos. Voilà. Et cette semaine... alors, cette semaine, vous avez pu voir... ou si vous n'avez pas encore vu, donc sur ma chaîne, alors on est où? On est là. Lundi, il y a eu un unboxing de chez Fonmania où je vous présente deux diamond painting. Vous avez eu également, donc le lendemain, je démonte ma broderie, donc la demeure de charme, je démonte ma broderie blabla et venez vous poser vos questions. Il y a eu la vidéo aussi, je continue le coloriage de mon mandala d'Action. Ah, du coup, je ne l'ai pas sorti, bah, je vous montrerai la semaine prochaine, il sera terminé. Sinon, n'hésitez pas à aller revoir la vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vu, comme ça vous le verrez. L'autre vidéo, c'est j'ai reçu mes fils Atalie Onyx pour ma broderie Black Rose. Le salle de l'automne de Poussière d'Étoiles, je vous explique les étapes. Et la dernière vidéo, c'était... le FAQ, le FAQ, je réponds à vos questions en brodant la demeure de charme de Poussière d'Étoiles. Voilà, ça c'est les vidéos que vous avez eues cette semaine sur ma chaîne. Vous êtes bien gâtés en ce moment, c'est beaucoup de vidéos. Et vous en avez une aussi ce matin. Où je vous présentais donc les box de Poussière d'Étoiles. Donc ça, vous avez dû avoir cette vidéo ce matin. Voilà. Bah écoutez, maintenant, je vais vous montrer au niveau des tricots. Pas fait grand-chose. Non, j'ai pas fait grand-chose. Qu'est-ce que j'ai fait? Fifi, maman, est-ce qu'elle peut se lever? Mais alors, deux secondes. Je te jure, je me lève 2 secondes et je reviens vers toi. Allez, coucher dans mes bras. Alors, bouger. Voilà. Non, reste là. Maman, elle revient. Tu bouges pas. Maman, elle revient. Elle reste là. Oh là là, on est vieux. Ouais, j'ai vraiment pas fait grand chose. C'est pas ma faute. Hein, non, mais il y a eu des soirées cette semaine où j'étais quand même assez fatiguée. Et du coup, je me... Fifi, laisse mon verre. Hop. Alors. Allez, non, bouge. On met pas ses fesses à la caméra. J'ai avancé, voilà, les manches de mon pull à plastron trou-trou, voilà, ça continue à avancer. J'ai dû faire une dizaine, oh là, j'ai peur que la lampe s'éteigne, alors je m'excuse d'avance si jamais ça s'éteint. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alors attendez, 1, 2, oh ben j'arrive plus à compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15. 15 rangs. Voilà. Ça avance, ça avance, ça avance. Voilà. Donc, bah, ça commence à être plus près de la fin que du début. Hein. Donc, je vous remontre avec quoi je tricote. Le pingouin Pingo First. Voilà, donc 100% acrylique, hein, mais bon, c'est pas... C'est du fil, hein, quand même. Hein. Voilà. Hop. Et j'ai... Alors là, j'ai vraiment pas fait beaucoup. J'en ai fait aujourd'hui. J'ai dû faire 5 rangs, je crois. Mais bon. Sur mon pull Bergère de France. Voilà. Alors, j'ai eu une élimination. Enfin, une élimination. Là, on ne sait toujours pas hein, pour Bergère de France. Alors, on sait à moitié. Vous savez que Bergère de France est en liquidation judiciaire. Et là, c'est la semaine prochaine. C'était cette semaine. Non, la semaine prochaine, je crois. Ils auront résultat. Ça passe au tribunal. Mais je crois qu'ils n'ont pas eu de repreneur. Alors, si j'ai compris l'histoire, ils n'ont pas eu de repreneur. Mais les salariés de Bergère de France vont faire une coopérative et vont reprendre la société tous ensemble. Enfin, pas tous ensemble, parce que dans l'article que j'ai lu qu'il resterait 70 salariés pour une boîte où il y en avait 700 dans le temps. S'il ne reste plus que 70, ça va être chaud, mais bon. Mais après, bon... Après, ils vont pouvoir remonter, peut-être réembaucher, voilà. Et donc, si j'ai tout compris, ce sont les salariés eux-mêmes de Bergère de France qui vont reprendre la société et qui vont faire une coopérative. Donc, ils seront tous intéressés à la boîte. Et donc, ça passe normalement au tribunal cette semaine pour savoir si le tribunal donne son accord ou pas. Alors, s'il ne donne pas son accord, je ne sais pas ce qui arrivera, ce qui va arriver à Bergère de France. Mais en tout cas, c'est une superbe initiative. Je leur dis bravo, je leur dis courage aussi, parce qu'il va leur en falloir. Mais en tout cas, c'est vraiment super de vouloir garder leur travail en reprenant la boîte eux-mêmes. Mais du coup, ouais. Ce pull-là, vous savez que je l'ai agrandi de 14 cm. Donc, il y en aura 14 devant, 14 derrière. Et du coup, j'espère... je pense que le nombre de pelotes va être un peu juste. Donc, cette semaine, ce que je vais faire, je vais recommander 2-3 pelotes. Je préfère qu'il m'en reste. Je m'en fiche. Après, je m'en servirai pour autre chose. Je vais me recommander 2-3 pelotes cette semaine au cas où, parce que si jamais Bergère de France devait être fermée, mais là je pense qu'ils ne fermeront pas, mais voilà, je vais prendre mes précautions, je vais reprendre 2-3 pelotes de cette laine là pour être sûre, parce que moi je me suis basée sur le modèle plus une, je crois que j'ai pris une en plus, mais j'ai peur que ça fasse juste. Donc là j'ai plus le nom. Alors, si c'est celle-là, voilà, je l'ai là. Donc c'est flocon, voilà, et c'est la couleur hussard, voilà. Hop. Donc c'est cette couleur-là, voyez. Et donc je vais cette semaine là ou même tout à l'heure, je vais me commander 2-3 pelotes en plus pour être sûre, parce que ce serait bête que je fais mon pull et puis que je tombe en panne et que je ne retrouve pas la laine. Voilà. Donc, voilà. Là, j'ai fait... Ouais, j'ai fait 5 rangs, 5-6 rangs, vous voyez. J'ai fait que ça. Mais je les ai fait ce soir, hein, juste avant souper, pendant que mes frites cuisaient. Voilà, donc j'ai fait juste ça, mais c'est bon. Alors, l'embouche Fifi. Monique, tu me dis... Je crois que c'est Monique. Ça y est, j'ai ressorti... Bouche Fifi, allez, bébé. Où t'es un nœud, là? Où t'es un nœud? Maman va tirer le nœud. J'ai ressorti mon sac pour ma couverture météo. Donc, cette semaine, crochet, couverture. Voilà. C'est une abonnée qui me dit régulièrement « Je veux voir ta couverture avancer. » Oui, promis juré, ça y est. Alors, j'ai sorti les 2 sacs. Donc, je me demande si je ne vais pas d'abord finir la couverture de l'année dernière, parce qu'elle n'est pas finie. Parce que celle de l'année dernière, il me restait novembre-décembre à faire. Encore novembre, je crois qu'il était déjà commencé. Par contre, celle de cette année, il faut que je remonte au mois de juillet. Donc, il reste beaucoup. Donc, je pense que je vais terminer d'abord celle de l'année dernière. Et dès qu'elle sera finie, je m'attaque à celle de cette année. Voilà. Bon, bah sur ces belles paroles, je crois que je vous ai tout dit. Si vous avez des commentaires, des questions, tout ce que vous voulez, me dire que juste un bisou, juste une échouille à Fifi, n'hésitez pas à mettre des commentaires, surtout... Mange ton cul. Des pouces, voilà, ça permet à la chaîne de se faire connaître, ça remonte dans le moteur de recherche de YouTube. Voilà, je vous remets en barre d'infos tous les liens des chaînes que je vous ai nommées. Je regarderai si tous les liens que je vous ai mis, des broderies, tout ça, que je vous présente, si c'est à jour en bas. Parce que souvent, je fais un copier-coller. Et il y a peut-être des choses qui ne sont plus très à jour. Donc, je verrai pour vous le remettre à jour. Puis voilà. Si vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas. Et sinon, là, on est presque à 2h15 aujourd'hui. Oh, le montage va être très long. Allez, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Et surtout, j'aurais dû le dire en début de vidéo, un énorme courage si vous êtes malheureusement dans les inondations. Je vous souhaite vraiment un bon courage. Je suis de tout cœur avec vous. Et je suis vraiment de tout cœur avec toutes ces personnes qui sont en ce moment sous l'eau. Voilà. Mais moi, en attendant, donc du coup, je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.